Bonjour, je m'appelle Étienne Maté, je suis le président de Digital Essence, start-up créée en 2014 suite à la rencontre avec Arnaud et Romain, mes deux associés, lorsque nous étions étudiants en école d'ingénieur. Passionné de musique et d'art numérique, un soir de 2012, nous avons décidé d'aller au concert d'Amon Tobin, un artiste de musique électronique qui a créé toute une scénographie constituée d'une multitude de cubes physiques animés virtuellement par de la vidéoprojection. Cette technique, appelée vidéomapping, a été largement aperçue sur les façades de bâtiments, par exemple à la Fête de Lumière à Lyon. Les semaines qui ont suivi, nous avons étudié cette technique qui nous est apparue comme très difficile à maîtriser. En effet, elle présente plusieurs problématiques. Cette technique est très longue à mettre en place, il faut parfois plusieurs mois afin de créer des animations. Elle est complexe à maîtriser car elle nécessite des équipes d'infographistes spécialisés qui vont modéliser en 3D les volumes afin de les animer. Les animations sont spécifiques et ne sont pas réutilisables pour d'autres volumes. Cette technique est chère à mettre en œuvre, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros pour des projections de 5 minutes sur des façades de bâtiments. En réponse à ces problématiques, nous avons décidé de créer EVM, un logiciel d'animation visuelle pour le spectacle et l'événementiel. Notre savoir-faire en développement logiciel et en programmation nous ont permis de mettre en place trois avantages concurrentiels. Le premier, EVM possède une interface graphique user-friendly, ergonomique et compréhensible par tous. EVM possède une large bibliothèque d'effets prêts à l'emploi, facilitant ainsi tout le processus de création. Les animations générées peuvent être facilement synchronisables sur de la musique jouée par un groupe sur scène. Pour finir, EVM est compatible avec une large majorité des ordinateurs du grand public. EVM a été commercialisé en 2016 et depuis le lancement, nous avons vendu plus de 5000 licences dans une vingtaine de pays dans le monde et en majorité aux États-Unis. Nos clients sont les artistes scéniques et les professionnels de l'audiovisuel. Notre outil leur permet d'utiliser une technique qu'il était impossible à maîtriser auparavant et de réduire à quelques heures le temps de création de la majorité de leurs projets. C'est un vrai changement pour eux. Nous avons également lancé un service de prestation de vidéomapping personnalisé, ce qui nous a permis d'utiliser EVM lors d'événements corporate et notamment pour des clients prestigieux comme Google, Mercedes ou encore Kenzo. Dans les deux ans à venir, nos objectifs sont de confirmer notre place de leader auprès des amateurs et des semi-pros en intensifiant nos ventes directes sur Internet et de conquérir des parts de marché chez les professionnels avec nos offres à forte valeur ajoutée. Depuis la création de la société, nous avons pu bénéficier du soutien de la BPI, du Centre National du Cinéma et du Réseau Entreprendre. En 2015, nous avons été lauréats de l'Imagine Cup de Microsoft et nous avons réalisé avec succès une campagne de financement participatif. Cette année, nous avons concrétisé un partenariat avec Optoma, le numéro 3 mondial des fabricants de vidéoprojecteurs. Ce partenariat va nous permettre de diffuser largement notre solution à travers le monde. Aujourd'hui, nous sollicitons votre soutien afin de nous aider à continuer notre développement, poursuivre notre innovation et amplifier le premier succès du logiciel. Nous vous donnons l'opportunité aujourd'hui de participer à cette aventure internationale. Merci pour votre soutien.